bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans le 9e épisode de Track D. Cette semaine, Track D va s'intéresser à deux voitures de la nouvelle extension pour Race Room Racing Experience du légendaire groupe 5. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Chevrolet Monza, un modèle peu connu chez nous en Europe, mais qui a fait ses preuves commercialement parlant aux États-Unis ainsi qu'en Australie. La voiture que vous voyez actuellement tourner sur le tracé d'Indianapolis a été vue pendant de nombreuses années dans le championnat IMSA, un championnat nord-américain. Elle a débuté en 1975 et elle a été championne en 76 et 77. Ensuite, est arrivée la Porsche 935 et ses très bons pilotes et très bons moteurs. Et malheureusement, ça a été la décadence au niveau des résultats pour la Chevrolet Monza, qui a quand même encore été aperçue jusqu'à la fin du championnat en 86. À noter qu'en 78, c'est Porsche qui a repris le flambeau en remportant le titre IMSA. La voiture n'a pas seulement connu un succès commercial, elle a également connu un succès en compétition en Australie, puisque là-bas, on est assez friand des voitures américaines, vous le savez. Et le championnat ASCC a vu accueillir plusieurs Chevrolet Monza dans les années 80 notamment. Et voilà, vous avez un petit peu un historique de cette voiture en compétition. Je ne me suis pas trop attardé sur le côté commercial, sachez que c'était un modèle qui existait en coupé, en berline, assez classique. Voilà ce qu'on pouvait rapidement dire de cette Chevrolet Monza. Moi, je vous laisse ici, je vous laisse profiter de ces quelques tours en caméra embarquée, caméra trackside de cette superbe Chevrolet. Et n'oubliez pas de monter le son.